Nous sommes tous habitués à acheter des choses et, dans certaines villes, à prendre les transports grâce à des applications de paiement comme Alipay ou WeChat. Or, les banques avaient du retard dans ce domaine. De nombreuses banques permettent désormais à leurs clients de scanner un code QR avec une application mobile pour retirer du liquide dans les distributeurs automatiques. C'est cela aussi la technologie financière, mais à un niveau très basique. Tien Yiye est le fondateur de la start-up FinTech et Pium++, et il dit que la FinTech moderne est en avance sur les institutions financières traditionnelles sur un point important. La différence entre la fintech et les services financiers traditionnels repose dans sa façon d'utiliser la technologie pour maîtriser les risques. Par exemple, les banques demandent des garanties avant d'accorder des prêts, mais les entreprises de fintech peuvent faire cela en utilisant les leurs. Fondamentalement, la fintech fait toujours partie du système financier, mais elle utilise la technologie pour résoudre les problèmes de façon qui n'aurait pas pu être possible avant pour émettre du crédit et mettre un prix sur les risques. Les entreprises comme Ant Financial et Tencent collectent d'énormes quantités de données auprès de leurs utilisateurs. Alipay et WeChat couvrent presque toute la population chinoise, ce qui permet d'analyser le niveau de crédit de chacun. Cette capacité les rend compétitifs avec les banques, mais Tien dit que la collaboration entre les entreprises technologiques et les banques augmente elle aussi. Dans la première moitié de l'année, les quatre plus grandes banques chinoises ont des liens avec les géants des technologies de l'information que sont Baidu, Alibaba, Tencent et Jingdong. Les géants du net sont donc de plus en plus influents, mais la Banque populaire de Chine leur impose de nouvelles régulations. Elle demande que Alipay, WeChat Wallet et les autres fournisseurs en ligne fassent passer les paiements par une nouvelle chambre de clearing d'ici à juin 2018. Cela donnera aux banques accès aux mêmes données que les compagnies du net. Les experts disent que la frontière entre les banques et les compagnies de fintech va commencer à s'estomper à mesure que les banques deviendront de plus en plus numérisées et que les entreprises seront plus régulées. Dans le futur, la différence entre les banques et les entreprises de fintech va se réduire à mesure que les banques continueront à développer les technologies et les entreprises du net devront obtenir des licences et suivre davantage des règles. La seule différence sera que les grandes compagnies comme Badge seront capables de fournir une plateforme sur laquelle les gens pourront acheter des produits financiers auprès d'un ensemble de fournisseurs différents. Il semble qu'il y ait une acceptation grandissante sur les marchés en synergie entre les banques et les entreprises du net. Les experts disent que l'industrie de la finance de consommation en Chine va continuer de croître et que les banques et les entreprises auront toujours plus besoin de travailler ensemble pour soutenir ce marché en expansion.